Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes Magic the Gathering. Aujourd'hui, on va ouvrir ce gift pack de l'édition 2019. Donc c'est un coffret qui est sorti fin 2019 et qui comprend des cartes, on va dire promo, quelques cartes promo foil. Et aussi, a priori, il y a un dé, a priori, il y a aussi des boosters. Alors, je n'ai pas trop vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc c'est un vieux coffret de fin 2019. Que j'ai pu me procurer, qu'on va ouvrir ensemble afin de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, ils sentent qu'il y a 5 cartes foil, 1 dé et 4 boosters. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur afin de découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Toujours très sympa d'ouvrir des packs comme ça, mystère. Bon, c'était un pack qui était sorti à Noël, il me semble, 2019. Hop. Et puis on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a de belles cartes. Des cartes brillantes, des cartes foil, on va dire. Alors, on a Rampaging Brontodon. Alors, c'est des cartes en version originale, hein. Angelic Garden. Et Angler Turtle. Je vais essayer de les enlever sans les abîmer. Hop. C'est vrai qu'elles sont mises. Voilà. Alors ça c'est vraiment. C'est des boîtes qui sont assez serrées. Pour éviter de les abîmer, les enlever sans les abîmer, c'est pas si facile que ça. Donc on a ces trois cartes promo. Donc, comme vous pouvez le voir. Alors c'est des numéros un peu bizarres, GP2 sur 5, GP1 et GP5. Alors on va aller continuer à farfouiller dans ce pack. Donc on a un dé, un nouveau dé. Il n'est pas facile à prendre, je vais être obligé de retourner la boîte. Oh là là, voilà, on a un nouveau dé, hop, qui va aller dans la collection. On a aussi des terrains. On a une carte jeton, carte code, on va dire. C'est un code pour le jeu MTG en ligne, Magic et Gathering Arena. Hop, et on a trois terrains, Forest, Island, Plains, qui sont ici, en version foil. Et on a aussi, qu'est-ce qu'on a comme carte? Ici on a aussi deux autres cartes, alors la numéro 3 et la numéro 5, Vengeance Vampire et Immortal Phoenix. Ok. Donc on a ces 5 cartes plus la 3 terrains. On va continuer à farfouiller. Et on a marais et montagne. Donc on a 5 terrains. Alors c'est vrai que je me dis, est-ce que pour compléter la collection, c'est pas des terrains qui se trouvaient justement que dans ce gift pack? Parce qu'il est arrivé certaines familles où il manquait une plaine ou quelque chose comme ça. Et je suis en train de me demander si c'était pas là-dedans. On pouvait les récupérer. Donc là on a 1, 2, 3, 4 boosters de cette édition Corset 2019. Donc c'est plutôt sympa. Donc il y a ce petit dé, 5 cartes promo foil, 5 cartes terrain foil, un terrain de chaque en fait. Et on va voir ces boosters et 4 boosters en plus. Une carte code aussi. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce booster? Alors, on sait très bien qu'au début, c'est les communes. Ah, on va pas faire durer le suspense plus que ça. Allez, on va les faire défiler. Avoc Device. Wall of Mist. Bon, il y en a 10, donc ça veut dire qu'on n'a pas de carte foil dans ce booster. Bon, à l'époque de Magic 2019, il y avait, la probabilité était moins grande. Hein. Inferno, Alien, Millstone, et on a Heroic Reinforcement. Et en rare, alors la rare, oh, une mythique. Ouh, Arcade Stratégiste. Ok, bon, bah, c'est toujours sympa de commencer par une mythique.
Ok, c'est sympa. Ben, un premier booster. Là, je crois que le coffret, il est largement rentabilisé, rien qu'avec cette carte. Super. Puis on a aussi forêt et puis un emblème. Et ben, cette petite mythique, je vais la mettre dans un petit sachet. Voilà. On va faire attention à conserver celle-là. Hop. Alors, c'est le hasard, hein. C'est un coffret qui date d'il y a plus de 2 ans, on va dire. J'ai pu me procurer. Donc, c'est plutôt sympa d'avoir cette mythique en un booster, alors qu'en plus, il y a 4 boosters mythiques, 5 cartes promo foil. Enfin, plutôt content. Allez, on va ouvrir le deuxième booster. Je suis un peu étonné de ce vieux produit que je ressors comme ça. Alors, hop. Allez, je vais faire des filets pareils, hein, on va peut-être même les compter. Tolarian Scholar, Ox Oracle. Ouais, non, il y en a 10. Novice Knight, en une commune. Sleep. Et Fel Spectre. Ok, et on a Windrider Sphinx. Donc là, on n'avait pas de. De toute façon, j'avais compté qu'il y avait 10 cartes communes, donc il n'y avait pas de carte foil. Voilà, on a un terrain, swamp, et puis un jeton classique. Bon, il n'y a rien de spécial dans cette ouverture de booster. Et c'est pas grave, je crois que la carte là, bien content de l'avoir. En plus, il me semble pas que Magic 2019, il y ait des cartes super, super, super. Enfin, je me rappelle plus trop. Dedans, ouais. Plutôt content d'avoir eu cette carte. J'espère qu'il y aura au moins une foil, hein. Eh non, non, il n'y aura pas de foil, j'en ai compté 10. Suspicious Bookcase en une commune. Surgemare. Heroic Reinforcement. Oh, je l'ai déjà eu. Et qu'est-ce qu'on a? Valiant Knight en rare. Une rare blanche. Ok. Ah, Forsaken Sanctuary et Elf Warrior. Bon. Ah, il n'y aura peut-être pas de foil vu que j'ai eu une mythique. C'est déjà plutôt pas mal. Donc on va ouvrir, allez, ce dernier booster. Alors les amis, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je fais des vidéos régulièrement. Et puis surtout, c'est gratuit, abonnez-vous, c'est gratuit. Et puis je vais continuer à faire des vidéos, surtout sur Magic the Gathering, sur les cartes à jouer, sur des petits conseils, surtout. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis aussi des pouces positifs ou négatifs, hein. Surtout positifs s'il vous plaît, ça aidera la chaîne. Et surtout si ça vous plaît, voilà. Donc on va aller. C'est le dernier booster, hein, du reste. Ghostform, Ultify, et Angel of the Dawn. Fiachino Pyromancer. Allez, en une commune, on a Lightning Mare, Léonin Vanguard, Departed Deck End. Allez, je fais durer un peu le suspense, c'est la dernière carte. Bon, il y a déjà eu une mythique, alors c'est pas possible qu'il y ait une deuxième mythique, ou alors c'est vraiment un truc de fou, mais j'y crois pas trop, c'est déjà pas mal. C'était plutôt sympa. Allez, on va découvrir. C'est une rare Sigild Sword of Valeron. Voilà, donc bon, effectivement, elle est plutôt sympathique, hein, et pas non plus quelconque, hein, comparé aux deux autres rares qui sont pas très intéressantes. Et puis derrière, on a Island et Beast. Ok, et ben donc voilà le petit récap, hein, donc de ce petit gift pack de 2019. Donc c'est un gift pack qui contient une carte code pour jouer au jeu en ligne, 5 cartes promo foil, 5 terrains foil de l'édition 2019, 4 boosters de l'édition plus un petit dé. Et dans ces 4 boosters, j'ai pu avoir cette mythique, Arcats, ce stratégiste, et
Une rare qui est plutôt intéressante. Donc voilà les amis, c'était plutôt sympathique cette petite ouverture pour revenir un peu en arrière du 2019, mais en fait on peut trouver un peu de tout. Alors je sais pas si j'étais chanceux, si d'autres, certains d'entre vous ont déjà ouvert ce pack et ont pu avoir des choses ou pas. Moi je suis plutôt content de cette ouverture et d'avoir pu vous en faire profiter. Voilà. Écoutez les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.